Salut les gratteux et bienvenue dans ce banc d'essai express sur la pédale d'effet Andromeda de chez Simon Duncan. Aujourd'hui, on va à l'essentiel pour vous présenter ce délai numérique qui a plus d'une corde à son manche. Vous connaissez celui-ci ? Un grand classique dans les pédalboards de la majorité d'entre vous. Eh bien, écoutez-le en comparaison avec l'Andromeda pour déjà vous convaincre que l'émulation analogique au sein de ce délai très complet offre une sonorité très proche. Bien évidemment, l'Andromeda propose un nombre de paramètres bien supérieur, et pour ceux qui se trouvent un peu à l'étroit dans les délais analo classiques, écoutez ce qui va suivre. Tout d'abord, on a ici un délai stéréo qui offre pas moins de 8 types de délais différents classés en deux catégories. Vous avez donc le choix entre la chaleur du son analogique et la précision du numérique. Ensuite, on a un écran pour afficher les presets ainsi que les valeurs des paramètres qui suivent, avec notamment un diviseur temporel à la noire, à la croche pointée, à la croche ou encore au triolet. Très pratique pour un réglage précis. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est la fonction Dynamic Expression. Deux modes sont proposés, Hard et Soft. En Hard, seule la dynamique forte de votre jeu, celle qui dépasse le seuil que vous réglez à l'aide du potard Threshold, engendrera les modifications du délai choisi avec les potards de saturation, de tone et de modulation. A l'inverse, en mode soft, épargnez-vous un son de delay trop présent pendant vos riffs puissants et conservez-le sur vos arpèges délicats. Écoutons maintenant l'influence des paramètres de saturation, de tone et de modulation sur le delay à proprement parler. Dernière fonction, et pas des moindres, le bouton Trace, qui grâce à un buffer permet de conserver les répétitions de délai du son joué avant la mise en bypass de la pédale. A noter qu'en position off, la pédale offre, comme son nom l'indique, un véritable true bypass. On termine cette vidéo avec l'utilisation du MIDI, car qui dit pédale numérique dit preset, qui peuvent être sauvegardés jusqu'à 32 emplacements et rappelés comme bon vous semble. C'est ce qu'on a fait ici via l'utilisation d'un pédalier MIDI, par exemple, qui nous permet d'obtenir deux sons de délai très différents, avec deux sons de guitare également différents. Le tout contrôlable au pied et en stéréo. Un pur bonheur.
noter que la pédale dispose également d'un port USB pour se connecter à l'application dédiée pour sauvegarder, rappeler vos presets, mettre à jour le firmware et basculer l'affichage du délai en BPM. Vous l'aurez compris, cette pédale est très complète. Et malgré que l'alimentation soit en option, son contenu permet aux guitaristes les plus exigeants et à ceux qui recherchent de nouveaux horizons à trouver leur bonheur via une interface simple et efficace. Pensez à aller faire un tour sur le site de la boîte noire du musicien pour nous proposer dans les commentaires le matos que vous voudriez voir dans ce banc d'essai pour guitaristes. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Merci et à bientôt.